venons de subir une brusque dépressurisation. Qu'est-ce que tu viens de dire? Quoi? Qu'est-ce qui te prend? Comment tu m'as appelé? Dis mon nom. Tyler Durden, Tyler Durden, espèce de taré, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je m'amène tout de suite. Non, attends, Marla, je suis pas là-bas. T'as pas tenu ta promesse? Mon Dieu, Tyler. Tu viens de lui parler de moi, mec. Bordel, c'est pas vrai, c'est quoi ce délire? Je t'ai demandé une seule chose, une chose simple et facile. Pourquoi tout le monde me prend pour toi? Réponds-moi. Assieds-toi. Maintenant, réponds-moi, pourquoi tout le monde me prend pour toi? Je pense que tu le sais. Non, j'en sais rien du tout. Si, tu le sais. Pour quelle raison pourrait-on te confondre avec moi? J'en sais rien. T'as pigé? Non. Jouez pas au con avec nous. Dis-le. Parce que... Dis-le. Parce qu'on est la même personne. C'est ça. Nous sommes la mère de ce monde. Cette histoire. Tu cherchais un moyen de changer ta vie. Tu ne pouvais pas y arriver tout seul. Tout ce que tu souhaitais pouvoir accomplir, c'était moi. J'ai la tête que tu voudrais avoir, je baise comme tu voudrais baiser, je suis intelligent, je suis adroit, et par-dessus tout, je suis libre sur tous les plans où tu l'es pas. Non, non. Tyler est parti. C'est impossible. Non. C'est dingue. Les gens font ça tout le temps. Ils se parlent à eux-mêmes, ils se voient eux-mêmes tels qu'ils aimeraient être. Mais ils n'ont pas le courage comme toi d'aller jusqu'au bout. Naturellement, tu as du mal à assumer, alors par moments, t'es encore toi. On devrait remettre ça. À d'autres moments, tu t'imagines en train de m'observer. Si c'est votre première soirée, vous devez vous battre. Mais en définitive, tu acceptes de devenir peu à peu.